quand vous arrivez au cinéma, sur un lieu de tournage, il ne faut pas se dire je sais tout, je suis forte, j'ai bien tourné, tout le monde m'a aimé, je suis la révélation du siècle, pas du tout. Je suis Yasmine Reda, actrice. Alors moi, ma passion a commencé très tôt. Déjà étant très petite, je m'amusais à faire ce qu'on appelle les petits théâtres, vous savez, à l'école. Les sketchs, je voulais toujours l'actrice principale. C'était toujours moi qui devais être au devant des choses et j'aimais vraiment ce métier. Donc j'ai toujours un petit peu cet art un peu en moi. Alors j'ai commencé ma carrière cinématographique il y a 2 ans. Donc j'ai commencé, mon premier rôle c'était Satan, donc dans Les coups de la vie. J'étais lanceuse de Cory et à ma grande surprise, ce fut l'histoire qui a le plus plu aux Ivoiriens. Enfin, l'une des histoires entre griffes, parce qu'il ne faut pas non plus élever trop le niveau. Et par la suite, j'ai encore fait Les coups de la vie. Et une autre, et une autre, et bien sûr, un long métrage qui est même passé au cinéma. Alors moi, je suis plus cinéma africain, je suis plus passionnée par ça, et l'industrie qui me fascine le plus, c'est l'industrie du Nigeria, dans tout ce qui est Nollywood. Quand je regarde ces grandes actrices et ces grands acteurs, je me dis pourquoi pas devenir comme eux. Alors c'est des films, des fois des histoires qui se retrouvent sur Netflix, et même sur le plan international, tout le monde regarde. Alors moi j'estime que le cinéma francophone devrait aussi atteindre ce niveau. Alors quand on parle du cinéma des années 80 et à maintenant, comme moi je suis des années 80, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a tous vu des films avec Bamba Bakari et toutes ces grandes actrices, Annie Tchélé et autres. Et c'est des films qu'on a beaucoup aimés. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution, mais il faut dire que en termes d'image, il y a une évolution. En termes de jeu, il faut reconnaître que nos anciens étaient très très forts. Hein, on a vraiment envie de parler de tous les jours. Alors moi, en tant que femme dans le cinéma, je n'ai aucune difficulté. Bien au contraire, j'ai été très bien accueillie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mon réalisateur, Monsieur Alain Guicou, qui est un homme vraiment tellement gentil et rempli de talent, a détecté quelque chose de grand en moi. Moi, personnellement, j'ai une forte personnalité et je pense que je ne me laisse pas marcher dessus. Et quand je vais tout droit tourner mon film, je suis tellement focus sur mon rôle, je veux tellement camper mon rôle que je n'ai pas le temps de regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Et je pense que tout le monde, dans tous les domaines de la vie, devrait avoir ce comportement. Vous savez, quand vous arrivez au cinéma, sur un lieu de tournage, il ne faut pas se dire je sais tout, je suis forte, j'ai bien tourné, tout le monde m'a aimé, je suis la révélation du siècle, pas du tout. Il faut vraiment être très humble et se laisser diriger par le réalisateur. Parce que personne ne peut mieux connaître le film que le réalisateur.